Salut à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, c'est parti pour un nouvel épisode sur Battlefield 4, la partie campagne. Donc en effet, ça fait un peu plus de 2 mois largement même. On n'avait pas continué les vidéos, donc je vous l'avais déjà évoqué, hein, pour des raisons personnelles que je tenais à garder privées. Tout va bien maintenant. Bon, c'est vrai que j'avais dit que j'allais refaire une vidéo déjà dès la semaine prochaine. Je l'ai pas fait, j'en suis entièrement désolé, j'ai eu des imprévus, voilà. Sachez que, avant de continuer cet épisode, je voulais vous signaler qu'il y aura d'autres jeux qui vont arriver sur la chaîne. Donc je pense que cet épisode sera le dernier, je pense qu'on approche de la fin. Donc après je suis pas sûr à 200%, mais bon, on a quand même bien avancé, et vu que je l'ai jamais fait, je l'ai jamais terminé, la partie solo, j'avais fait que le début. Voilà, en tout cas, juste pour vous dire que je suis vraiment ravi de vous retrouver. Ça faisait hyper longtemps, enfin certes, à base, enfin, entre deux, j'avais fait une vidéo sur un concours et mon retour que j'avais annoncé. Mais c'était pas la même chose, voilà. Donc on va continuer Battlefield 4, tout simplement, cet épisode. Donc on va relire l'objectif, parce que ça fait un moment quand même. Retrouver le majordome Greenland. Retrouver le major Greenland, ouais, ils le disent deux fois. Sur le pont de la vieille ville. Ok, allez, c'est parti. Alors comme d'habitude, je ne parle pas pendant les cinématiques. Oh putain, rien de tel qu'un bon vin frais. J'ai dû sortir à Irish d'un tas. Je voulais entendre parler de ça, Anna. Une chance incroyable. C'est pour ça qu'on t'appelle à Irish. Ouais, c'est ça. On y va, Wrecker! Allez, Wrecker! En route, Wrecker! Ok, c'est parti. Donc, faut retrouver. Je suppose que oui. Elle nous doit être malade. Ouais, il nous doit être malade. Donc il faut retrouver le majordome. Donc c'est parti. Franchement, je suis vraiment heureux de vous retrouver. Ça fait un moment quand même. Hein. Et donc oui, en plus. Et en plus, entre deux, j'étais pas sûr de reprendre ma chaîne du coup, parce que j'étais. Je vais vous dire sincèrement, j'étais pas motivé entre deux. Bah, pendant ces plus de 2 mois où j'ai pas pu faire de vidéo. Et donc tout compte fait après mûre et réflexion. Voilà. Non, j'ai toujours envie de faire des vidéos. Ça me manquait énormément. Et donc voilà, donc c'est pas prêt de s'arrêter, bien entendu. Alors attendez. Ah bah ça y est, ils sont arrivés. Sympa. Merci. Major, pour ce qui est de nous ramener... Je vais arranger ça. Vous disiez que vous deviez aller vers l'ouest. Vous avez 2 minutes pour vous préparer. Dictate, les mecs, bougez-vous. Comment elle parle? Bon, ça va, elle parle pas mal à moi. Mais bon... Ok, prendre le harnais. Je pense que l'USS Valkyrie fait route vers le canal de Suez. Vous en faites pas, vous irez à Suez. Mais bon, si votre affio est là-bas, il pourrait avoir besoin d'aide. Mais pourquoi, putain? Passe ton là avec moi, ok? Les Chinois contrôlent la partie nord du canal de Suez, mais on va la leur reprendre. Le bateau va se retrouver en plein merdier. Bonne chance. Merci, Major. Non, c'est vous qu'il faut remercier. Emmenez-les. Ah bah ça va, nous remercie quand même, heureusement. Chang a pris le canal, alors Jinji se dirige droit vers lui. On va devoir les rejoindre. Si j'avais eu de la chance, je me serais noyé. Ça va? Irish, c'est parce que t'aimes le whisky? Ça fait 3 ans que j'ai pas bu un verre. Bah, c'est parce que t'aimes le rugby. Non. Anna, on m'appelle Irish parce que j'ai... Parce que j'ai... Ah, bon voyage. Pas mal. Et eh ben les amis, on commence bien cette nouvelle épisode, enfin ce nouveau épisode, ouais, c'est ce nouveau épisode plutôt. Vous voyez, j'ai pas changé. Hein. D'ailleurs, ça me fait bizarre de vous parler. Hein. J'ai plus l'habitude. Gatekeeper, ici Fortress. Répétez, la liaison est mauvaise. À vous. Canal. Quel fils de pute.
Capitaine, je peux essayer en morse. Ça devrait passer. Pas le temps. Les destroyers qui nous suivent ne vont pas s'arrêter pour nous attendre. Quels sont vos ordres? Vous allez activer le radar, le sonar et tous les capteurs qu'on a. Il faut que je sache ce qui nous attend là-bas. Ok, désolé pour ce petit lag, hein, c'est sur PC. Mon PC a un petit peu du mal à le supporter, là, je crois. Mais bon, ça va, on s'en sort bien malgré tout. C'est les 3 heures les plus pourries de toute ma vie. C'est pas vraiment le moyen de transport que j'espérais. Voilà le Valkyrie. Ouais. Et qui file tout droit dans un piège. Accrochez-vous! Accrochez vos câbles! Eh, ça va aller? J'ai l'estomac à l'envers. Mais ça devrait aller. Ah, quel enfoiré! Il faut vérifier ton lit! Tu dois dégueuler? Fais-le sur les ennemis au sol. Vérifiez l'équipement! Le plancher des vaches, Wrecker! Le plancher des vaches! J'ai un casque matériel! Attention, c'est parti. Attention, sensation. Je répète, Fortress et Thompson 3, vous me recevez? À vous. Ils sont près de Valkyrie. À toutes les unités, ici Fortress. Quelqu'un me reçoit? On est abordé. Je répète, on est abordé. Il ne faut pas tenir longtemps. On peut se poser sur le pont. Faut viser le pont. Bah je crois qu'il est un petit peu trop tard sur le coup. Je crois que j'ai fait une grosse connerie. Fou. Non bah apparemment c'est bon. Il fallait bien se poser ici, je me disais. Ok. Si je vise mal... Oh. J'en ai tué un. Alors attendez, il faut que je recharge là, parce que sinon ça va pas trop le faire. Ok, je vais faire comme eux. Je vais aller là-bas. Le temps de recharger. Bah lui, il a reçu, mais en plein dedans. En pleine dedans. Ah, et ben. Non, il a pas reçu. Désolé pour les petits lags. Ah, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Ah. Bon, il faut que j'attende. Il faut que je reprenne de l'énergie, sinon ça va pas le faire. Presque. Presque. Ah, eh ben. Allez. Alors attendez, faut que j'aille chercher des munitions. Là. Vite, faut que je descende. Ok. Donc ça doit être ici, je crois. Ouais, c'est ça. Ok. Les armes. Bah, je vais garder la Scarache, elle est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. On va garder la deuxième arme. Non, pas celle-ci. Celle-ci, voilà. Lui, il est mort. Il y en a encore d'autres? Ok, d'accord. Allez. Désolé hein, si je parle pas trop les gars. Je suis plutôt occupé là. En plus c'est vrai que c'est pas marrant parce que ça lag un petit peu et bah c'est dommage mais bon. Ça va, y'a pire. On va s'en sortir. Jusqu'ici on s'en est sorti. Ah, faut que je recharge. Il faut que je recharge. Bah pff, en même temps je suis bête, pourquoi j'avance pas?
Wow. Toi, t'es un homme mort. Vous êtes des hommes morts. Deux de morts encore. Par contre, je vois qu'il y en a encore. Ah oui, ok, je t'ai vu, toi. T'es mort. Voilà. Il y en a encore d'autres, je crois. Ouais, bah, mais pas trop de temps, parce que je tiens ma vie, quand même. Et je compte bien terminer le jeu, hein, parce que depuis le temps qu'on est dessus. En tout cas, vous rassurez-vous, c'est vrai que sur Battlefield... ouais, c'est ça, Battlefield 4 et Advanced Warfare, c'est vrai que je suis hyper long pour les parties solo. Je tiens à m'en excuser pour ceux qui suivent. Mais sachez que ça ne va plus se reproduire. Bon, sauf s'il y a imprévu, ça je peux pas prévoir, forcément. Mais vous inquiétez pas s'il faut... J'ai vu un mec là. Wow. Ouais, donc je disais, vous inquiétez pas, de toute façon, je compte bien rectifier le tir en faisant d'autres jeux, et vous inquiétez pas, ça sera pas si long. Et je pense qu'à la rigueur, je vais faire un jeu, à chaque fois que je ferai un jeu aventure ou quoi, enfin aventure entre guillemets, mais quand je ferai un jeu en partie solo, quand je ferai un partie, désolé hein, en même temps, wow, aveuglante. Grenade aveuglante. Donc comme je disais, quand je ferai un jeu en solo, je pense que j'en ferai qu'un. Parce que du coup, c'est vrai que bah, vous allez me dire, deux, on peut le faire aussi, certes, mais je préfère limite repartir sur un jeu à faire entièrement. Comme ça, on perd beaucoup moins de temps, puis on peut enchaîner plus rapidement. Bon, attention, quand je... Oula. Alors, je tenais après... Ouais. Wow. Alors, attendez. What? What? J'ai pas compris là. Bon bref. Et donc je tenais à préciser du coup que quand je dis je ferai un jeu en solo, mais un seul uniquement, pas, j'en ferai plus deux en même temps, je parle des jeux où vraiment il y a une histoire. Bien sûr qu'entre deux, je continuerai à faire des jeux sur des parties sur Euro Truck Simulator 2. Je continuerai de... Enfin voilà, je pense que vous m'avez compris. Et donc voilà, tout ce qui est jeu vraiment simulation, j'en ferai toujours. Même si je fais un jeu solo à côté, ça y a pas de souci. Mais disons que les jeux vraiment avec une histoire, j'en ferai vraiment un à chaque fois et je le finirai complètement. Parce que, comme vous pouvez le constater, de jeu, j'ai mis un peu de temps quand même pour le terminer. Sachant que là, on l'a même pas encore terminé, mais je pense qu'on est vraiment vers la fin. Donc moi, je pense que c'est le mieux à faire. À moins que d'ici là, j'arrive à trouver vraiment un emploi du temps stable, on va dire, pour faire les vidéos. Dans ce cas-là, ouais, pourquoi pas. Mais voilà, je pense qu'on va repartir sur un jeu, et puis entre nous, on fera d'autres jeux de sur la simulation, l'arcade. Mais voilà. Ah, ils sont là. Ah, je pensais qu'ils n'étaient pas touchés, je me disais. Pourquoi je monte en haut, d'ailleurs? Je suis pas obligé. Ah, ça va, il s'est pas cassé de jambe. Ok, donc il faut continuer tout droit, les amis. Donc on va y aller, c'est parti, let's go. Ah, je sens vraiment les petits lags, mais bon, c'est pas grave. Oh, on peut monter dans l'avion. J'espère que... Ok. Il y en a un qui... Oula. Oh là 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 là. Alors attendez, il y avait un mec qui est apparu. Il est où? Où il est, cet enfoiré? Ah, c'est bon, je l'ai eu. Nickel. Ah ouais, elle va dans le feu, elle, carrément. Attendez. Et de 1... Vite, recharge. What? Mais il se passe quoi, là? Ah, mais ils viennent d'un coup, c'est un truc de malade. C'est un truc de fifou, les amis. Ah oui, puis j'ai une bonne nouvelle aussi à vous annoncer. Alors, attendez. Munitions. On va y arriver, quand même. Oui, donc, comme je disais, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que je me suis renseigné auprès de chez moi et apparemment j'aurai bientôt la fibre optique. Donc ça fait zizir, moi qui avais souvent des problèmes.
qui avait des problèmes de connexion, donc vu que je suis en ADSL, c'est vrai que c'est pas top. Et donc voilà, franchement, ça fait plaisir. J'ai appris, juste avant de faire la vidéo, qu'ils sont en train d'installer... Enfin, ils l'ont installé, la fibre, mais ils l'ont pas encore raccordé, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je me suis renseigné auprès de ma mairie, parce que c'est dans ces moments-là, il vaut mieux se renseigner auprès de la mairie. Et d'après ce que j'ai compris, enfin d'après ce qu'on a compris, de toute façon c'est une source sûre, la mairie, on peut pas nier, on peut pas dire qu'ils sont menteurs. mais d'après ce que j'ai compris, du coup, on aura normalement la fibre d'ici début 2016. Donc vraiment janvier 2016. Il se peut, moi je m'y attends, il se peut qu'il y ait des retards. Donc je pense qu'on l'aurait au pire des cas vers février, je pense. Donc franchement, on peut pas dire que c'est vraiment dans pas longtemps. Franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, moi qui voulais la fibre depuis le temps, j'ai la chance qu'ils vont l'installer prochainement. Et donc voilà, ça fait zizir. Franchement, ça fait zizir. Donc pourquoi je dis que je suis content du coup, parce que je vais pouvoir enfin vous proposer des lives en qualité HD, les amis. Parce que le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on est trois chez moi avec un débit à peine à 2 mégas. Donc vous allez me dire, ouais, 2 mégas, il y en a, ils ont pire. Je suis entièrement d'accord. Mais le problème, c'est qu'on est à 3 à utiliser Internet. Et donc, s'il y en a 2 qui regardent une vidéo, moi, je peux pas lancer de live. Parce que du coup, j'ai pas vraiment la qualité. En live, c'est même pas la peine. Déjà que quand il y a que moi qui utilise la couche, je suis en 480p, c'est limite. C'est presque du 360p à la rigueur. Mais là, si on a l'affiche, je pourrais vous faire plus de live en HD et plus longtemps et plus souvent. Donc franchement, ça ferait plaisir. Et du coup, bon, attention, j'abandonne pas de faire des vidéos sur YouTube, loin de là, ça restera tel qu'il est. Donc je ferai souvent des vidéos sur YouTube, comme je faisais jusqu'à maintenant. Mais bien sûr, il y aura des séries que je vais privilégier, sur les streams, tout simplement. Donc franchement, ça fait plaisir. Et en plus de ça, je pourrais vous proposer, parce que c'est vrai que dans les vidéos YouTube, je vous faisais souvent aussi du 720p. Ouais, c'est ça, 720p en HD. Donc à la rigueur, ça change pas des masses, mais là je vais pouvoir vous proposer aussi en 1080p, les amis. Donc franchement, ça fait énormément plaisir. Donc c'est pas tout ça, mais je parle, mais j'avance pas. Donc franchement, moi, ouais, je suis hyper content. Ça veut dire qu'on va pouvoir bien avancer, et donc beaucoup plus de live. Voilà, franchement, ça fait plaisir. Alors je vais me bouger parce qu'elle me dit fais attention, je sais pas ce qui se passe. Donc normalement, d'après la mairie de chez moi, de ma région, de ma ville, d'après la mairie, on aura la fibre dans 3 mois. Et encore, vu qu'à l'heure actuelle où on fait la vidéo, on est déjà au mois d'octobre, je sais plus combien, le 5, on est le 5, donc voilà, à l'heure actuelle où j'ai fait cette vidéo. Et donc voilà, ça fait plaisir du coup, parce qu'on se dit, bah enfin, ça vient. Et honnêtement, je pensais pas du tout avoir un jour la fibre du côté de chez moi, vu que c'est dans une petite ville, donc vraiment une petite ville pépère. C'est pas la campagne non plus, mais bon, c'est pas non plus une grande ville. Donc voilà, franchement, ça fait plaisir. Donc autant vous dire que les amis, on va se voir beaucoup plus souvent du coup, parce que c'est vrai qu'il y a de ça aussi, hein. Des fois, j'étais pas motivé, parce que le temps d'uploader une vidéo, c'est pareil, ça mettait énormément de temps. Bah là, voilà, je vais pouvoir dire... Je me fais tirer dessus, je vais reculer. Et donc là, je vais pouvoir me dire, j'ai plus de contraintes. Si, la seule contrainte que j'ai, c'est peut-être mon ordinateur. Parce que, ok, j'ai un i5, mais c'est pas un PC gamer. Vraiment pas. Et donc par la suite, la prochaine étape, ce sera avoir un PC gamer. Et une fois tout ça réuni, les amis, voilà, ça va faire vachement plaisir. Bon, après, ça n'empêche en rien que je pourrais continuer à faire des vidéos. De toute façon, même avec mon PC actuel, je pourrais faire des jeux. Peut-être pas les tout derniers qui viennent de sortir, enfin, je sais pas. Mais voilà, on sait qu'après, la prochaine étape, c'est avoir un PC gamer et une PS4 aussi. Parce que par la suite, quand j'aurai une PS4, je ferai beaucoup plus de jeux sur console que sur PC. Bien évidemment. Et donc, voilà. Donc ça va faire plaisir, donc j'ai hâte forcément. Avec à peine mes 2 mégas, c'est sûr que ça fait une différence. Donc j'ai vraiment hâte de l'avancement. Voilà. Alors attendez. Je vois vraiment rien. Ah, je me fais tirer dessus. Alors attendez, je vais essayer de passer comme ça. Alors attendez. Et si je fais ça? Ouais, ils sont sur le côté. Ok, d'accord. Donc on va... Ah, j'ai plus de munitions.
Bon alors attendez, je vais aller en chercher. Désolé, je suis un petit, je galère un petit peu sur le coup. mais voilà, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, donc ça me fait plaisir. Donc alors attendez, gadget. Voilà, c'est bon, c'est nickel. On va pouvoir remonter. Mais vous êtes pas obligé de reculer parce que je recule, les gars. Hein. Allez, c'est parti. Donc on va essayer d'y arriver ce coup-ci. ce serait bête et dommage qu'on n'arrive pas à le terminer. Maintenant. Allez. Tu l'as pas touché? Eh ben. Eh ben. Enfin. Je crois qu'il y en a encore. Ouais, il y en a encore. Wow. Carrément bazooka, quoi. Ça rigole pas. Lance-roquette. On va essayer de les avoir par là. Ils sont où? Mais ils sont où? Ouais, bon. Lui, je l'ai eu. J'espère que j'ai eu tout le monde. Non, il y en a encore d'autres qui se ramènent, je crois. Il est où, le mec? Ok, il y en a un là. Lui, je l'ai eu. Alors, je crois que j'en ai vu un autre. Mais il est où? Ça devient chaud. Ah, je crois qu'il y en a un là. Attendez, là je galère un petit peu. Alors. Bon, alors attendez, je vais descendre. Ça va être chaud. T'es mort. Tu vois quand je te le dis? Ah! On va bouger, on va bouger. Oula! Alors attendez, je vais sortir. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je suis pas sûr. Non, je les ai pas eus. J'arrive pas à les avoir. Je peux pas avoir des armes, là. Ah, attendez. Ah, bah c'est ce qu'il me fallait. C'est cool. Alors, attendez. T'es mort. Waouh, ils sont agressifs, dis donc. Ah oui, puis il y a l'hélico, en plus. J'avais pas fait gaffe. Ok. Je l'ai pas touché. Ça va être chaud avec l'hélico là. Alors attendez. Oh, j'arrive pas à viser, mais t'es sérieux? Allez, 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 vite, recharge. Recharge. Ah, attendez, avec le Stinger. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors attendez. Non. Non. Ah oui, si, 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 c'est ça. Ah oui, vite, 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 vite. Il est où l'hélico? Oh putain. Oh putain. Oh putain. Désolé, désolé pour les insultes. Il y en a un qui me tirait dessus, mais je sais pas où il est. Alors attendez. Je vais essayer celui-là plutôt. Oh putain. Oh putain. T'es mort. Eh bah voilà. Alors attendez, je vais reprendre l'arme de base. Waouh, 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 il est où? Ah ouais, ok, il est là lui. En plus, il est carrément avec le fusil à pompe. Ok. Ah ah. Ok. Bon, il faut le trouver là. Je pense qu'on est vraiment à la fin, à mon avis.
Wow. Bon, bah, c'était ça. Un niveau plus bas. Bah, alors, on va la suivre. Bon, bah, avance. Qu'est-ce que t'attends? Tu veux pas avancer? Bah, j'y vais. Allez. Allez, les gars. Allez, c'est parti. Va falloir faire attention. Non, ok, donc il faut passer par là. On peut ouvrir les portes? Non, on peut pas les ouvrir. Celle-là non plus. Ah, attendez. Ah non, c'est par là. Waouh! Putain, il m'a fait flipper! Vous tirez dessus encore une fois! Vous êtes là, Tombstone existe toujours! Putain, on a tous cru que t'étais mort! Ouais, mec, après votre départ. Oui, Jinji, il va bien? T'es toujours là. C'est cool. Ouais, Jinji va bien, tu vas le voir. Ok. On fait quoi pour les réfugiés? Marines, restez avec eux. J'amène Tombstone à l'infirmerie. Après vous, sergent. Après vous, sergent. Je crois qu'on est bientôt à la fin. Oui, oui, t'inquiète. Bon, allez, on va la suivre, on va l'aider. Hey, Pac, qu'est-ce qui s'est passé à Singapour? Comment tu t'en es sorti? Dans la merde et je m'en suis démerdé. Fin d'histoire. Je me demandais juste où t'avais appris tous ces gros mots. Ça vient quand on doit ramper un kilomètre dans un égout avec un trou dans le vide. Difficile d'être plus près que ça de l'enfer. Mmh. Ensuite, je dois l'où? C'est avec moi, Hacker. Attaque synchronisée. Ouvrez la porte. Ah ouais, ok, faut aller les attendre. D'accord. Attention! Go, go, go! Vite, vite, vite! Oh là 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 là, le carnage! Le carnage! C'est un truc de malade! C'est un truc de malade! Bon, allez. On sait à quoi s'attendre maintenant. Alors, c'est. Non, c'est par là, je crois. Ouais, c'est là, il me semblait bien. Allez, c'est parti! Faut faire vite là! Non, juste là. Je pourrais me faire encore avoir, honnêtement. Ok, yep. Vous allez mourir. Voyez, vous m'écoutez jamais. Donc là. Ok, donc c'est pas par là? Ok, non. Bah c'est bon. Ok, nickel. Alors. Ouais, c'est là. Doucement, vous êtes resté inconscient plusieurs jours. Vous ne devriez même pas parler. Sans elle, je ne sais rien. Les hommes de Chang, ils viennent pour moi. Prenez ça, il faut qu'on vous évacue. Non, j'ai déposé les armes, capitaine. Mes frères ne me tueront pas. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Vos frères pensent que vous êtes mort. Vous êtes une cible, comme nous. Une mission, un homme à abattre. Il suffit qu'ils me voient. Qu'ils voient que je suis en vie. Et ils oublieront leur mission et déposeront les armes. On pourrait peut-être les laisser entrer? Oui. C'était une blague. Irish Raker, la porte! Je suis sérieux, si on se bat, tout est perdu. Je
je vais aller ouvrir. Je ne vous laisserai pas faire. Écoutez-moi. Dès qu'ils entreront, ils vous tueront. C'est cette porte qui vous maintient en vie. Après un tel choc, il devrait être encore au lit. C'est sûrement le trauma qui parle. Dans cette pièce, je suis invisible. Comme si j'étais déjà mort. Comme nous tous. Si je ne peux pas montrer mon visage ou parler à mes propres frères, sans crainte, alors dans ce cas, j'ai perdu. Il faut que je sache où j'en suis. Ouvrez la porte, si je... Non, je peux pas ouvrir apparemment. Si, ça y est, ok. Oui, Chanti. Ni BPM. Rougon Yong y tient ou Rigaoce ne se tient. Fais pas ça. Putain, fais pas ça. C'est bon. Bah, tiens, va, tiens. C'est bon. Tiens, tiens, voilà. Mia, regarde, c'est qui t'a rien. Tiens, tiens, voilà. C'est ce qui est roi. Oui, tiens, tiens, voilà. La tête est en sable. C'est Zenda. Tiens, tiens, voilà. Tiens, tiens, voilà. Cet enfoiré a réussi. On fait quoi maintenant? Il y a encore pas mal de soldats chinois dehors. Ça va aller. Ils sont prévenus. Ça venait d'où, ça? C'est ça, là, Mingli. C'est Chang. Ils ont un navire au nord d'ici. Le fils de pute, il veut enterrer la vérité et ceux qui la connaissent. On peut attaquer. On n'a plus rien, rien du tout. Même pas du C4. On manque pas de C4, mais ça va nous servir à quoi? Donnez-moi un semi-rigide et tout le C4 que vous avez. Vous êtes pas sérieux là, Heinrich. Aussi. On ne peut plus sérieux. Très bien, Pac. C'est bon. Wrecker, Heinrich, vous venez? Anna, t'es sûr de ton coup? Jinjie. Nishun s'y tient grand. Bonne chance. Ok. Écoutez, je veux un semi-rigide plein de C4 prêt à partir maintenant. Pas d'excuses, on est en route. Incroyable. Il est toujours comme ça? Il a ses moments. T'es marié avec ce type ou quoi? Je suis mariée à Cécile. Faut prendre le bateau, sûrement. Anna, tu penses que les choses seront différentes un jour? Bien sûr. Mais pour que ça arrive, je vais devoir continuer à me battre. T'as rien à craindre avec moi, Anna. C'est ce qu'on dit. On n'est pas sûr. J'ai ça pour vous, sergent. Tu nous laisses, Pac? Vous restez en vie. C'est un ordre. T'inquiète. Garde le Valkyrie à flot. On va revenir. Hourra! On va mourir. On va mourir. Allez, c'est parti. On trace. On n'a pas le choix, mon gars. Allez, les gars, on peut y arriver. Jusqu'ici, on a toujours réussi, même si on a galéré. Mec. Wow. Ok, c'est parti. Allez, Top Stone, c'est aujourd'hui que ça se passe. Agir ou mourir. Agir ou mourir. Eh ben mourir. Ça va? Ah, il est immense le bateau. Place.
dirige. Ok, donc on va devoir aller au-dessus. Faut pas t'inquiéter. Ouais, bien sûr. Ça vient de Suède. Oh, bon, je me sens vachement mieux. C'est parti, tirez. On décolle. Fortress, ici Tombstone 3. On est prêt à faire sauter ce putain de truc. Vous en êtes où, à vous? On ne tiendra pas longtemps, alors faites-moi sauter ce truc. Déclenche-le, Anna. C'est rouge. Il y a un problème. On n'a aucune liaison. Tracker. Merde, passe pas ça. Il va falloir redescendre. Ok, un seul d'entre nous suffira. Tracker. Il vous reste une de ces charges de C4? Bien, je la prends. Je te laisserai pas risquer ta vie, Anna. Alors. C'est moi le chanceux. Donnez-moi ça, Wrecker. Je la donne à qui? Wrecker, je risque ma vie pour mon pays tous les jours. Donnez-moi la charge. Bon. Mon pays a besoin de toi, en vie, Anna. Tu ne redescends pas, point barre. Allez, Wrecker. En même temps, elle nous a déjà. C'est déjà foutu de nous une fois. Allez, je te le donne. Adieu. Alors vous allez me dire pourquoi vous allez me dire pourquoi j'ai choisi elle. Tout simplement parce qu'elle nous a trahi une fois. Même si depuis elle a corrigé son tir. Adieu Anna. Bon, je sais qu'après elle nous a défendu, mais bon, elle nous a déjà eu une fois, donc on sait jamais. Et puis il est marrant, mon collègue à côté. Et donc j'avais raison, c'était bien le dernier épisode qu'on allait faire. Donc j'ai choisi la fille. Bon, de base, j'étais pour que ça soit le mec qui se sacrifie et pas la fille. Donc me criez pas dessus, je vous vois venir, hein, bonne de petit filou. Mais je me suis dit, elle nous a déjà trahi une fois. Donc pour se rattraper, elle peut se sacrifier. Voilà. Tout ce qu'il fallait savoir sur la nature, la montagne. Je croyais que t'étais un vrai citadin. Ah ouais, 100%. Mais mon oncle Jay, il n'était pas de la ville. Un gars de la Caroline. Parti depuis longtemps. Il est où maintenant? Il est plus là. Désolé. Ouais, tu sais. Qu'est-ce que tu veux faire? Faut bien aller de l'avant, non? Profiter au mieux du temps qu'on a. On perd plein de gens qu'on aime. Trop et trop tôt. Parfois, je me dis que ce serait plus simple d'éviter tout ça. Ce serait plus facile. Non, faut pas dire ça. Qu'on le garde ou qu'on le perde, faut pas regretter. Pas de regret. Allez, Anna, dis-le. Pas de regret. Pas de regret. Ouais, putain, c'est ça, ouais. Pas de putain de regret. Pas de regret. Pas de putain de regret. Et ben voilà. Et ben voilà les amis, c'était le dernier épisode de Battlefield 4 dans la partie campagne. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment parmi les séries de Battlefield 4. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment malgré qu'on a eu 2-3 lags. N'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. On va terminer par la suite la partie solo de Call of Duty Advanced Warfare, bien entendu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis bonne journée, bonne soirée, et à la prochaine. Ciao tout le monde.